L'hôtel Azalaï de Cotonou sert de cadre depuis ce vendredi 26 août 2022 à la première édition du Salon de l'esthétique, de la beauté et de la cosmétique du Bénin. Placé sous le thème beauté naturelle et santé de la peau, son lancement a connu la présence de plusieurs promoteurs et acteurs du domaine de la cosmétique venus des quatre coins du Bénin. Laurette Kankangbe, promotrice du salon, en parle et donne les raisons du choix du thème de cette première édition. Le Salon de l'esthétique de la beauté de la peau. Des acteurs du domaine de l'investissement corporel et également faire la promotion de l'économie, également permettre à la jeunesse de pouvoir découvrir les nouvelles opportunités du domaine de la santé et de la beauté. Nous sommes la première émission de cette année sur le thème beauté naturelle et santé de la peau. Santé de la peau parce que aujourd'hui, avec tous les produits qui sont sur le marché, de pouvoir avoir une santé saine, il a décidé de faire ce salon afin de pouvoir montrer aux autres produits qui peuvent être bien, qui peuvent être bien, avec des produits. Elle n'a pas manqué de remercier les partenaires et promoteurs qui ont soutenu l'événement. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement, notamment au comité de la mosquée, aux partenaires qui nous ont également accompagnés. Ce salon qui dure jusqu'au samedi 27 août offre l'occasion au public de faire des consultations dermatologiques gratuites et de poser tout problème. Y prennent part des marques de produits cosmétiques, des instituts de beauté, des prothésistes angulaires, sans oublier les make-up artistes.